Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims 1 Survivation GameCube. Donc nous sommes en compagnie de Josie et de notre petit Léon national, comme j'aime toujours le dire. Et mon micro est super éloigné, donc je le rapatrie là, voilà. Voilà, au moins on m'entendra mieux. Donc on avait comme objectif d'augmenter nos besoins pour la promotion. Donc, un de physique, un de charisme et retrouver nos amis perdus. Super important, ça. Et donc, d'avoir la promotion pour avoir des simflouzes, améliorer la maison, parce que c'est pas encore assez ce qu'on a fait. Bon, vous allez me dire, j'ai juste coupé le mur et puis mis un lit, quoi. Non, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Du coup, on verra ce qu'on va faire. Je crois que j'avais racheté aussi le flipper et non le baby foot, comme j'avais dit. Allez, je m'étais trompé, mais ça arrive hein, dans le feu de l'action. Voilà. Donc nous, elle est épuisée. Allez, Josie. Allez, Josie. Ah, bon, en tout cas, je suis content parce qu'avec ce Sims-là, mine de rien, on avance tout de même. Tandis qu'avec permis de sortir, je suis dans le rouge total. Donc ça, c'est pas bien. Pas bien, j'ai du mal à tenir la cadence. Enfin, après, je dis ça, mais on était un peu revenu dans le vert, hein, encore heureux. Donc lui, il a juste besoin d'énergie. Il s'est fait un plat préparé. Ah, la fainéasse. Bon, allez, va dormir Léon pour que le temps passe vite. Allez, on va faire lever Léon puisque c'est lui qui est plus avancé. Et on va faire servir le petit déjeuner. Comme ça, Josie pourra faire ses petits besoins secondaires. Donc l'hygiène toilette. Hein, c'est vrai que pour une fois, quelqu'un va nous servir parce qu'on en a marre. C'est toujours à Josie de faire tout ici. C'est bon, on a compris le truc. Bon, il est qu'1h30 du matin, par contre. Je l'ai fait le veto. Et tu mets pas le feu, s'il te plaît, j'ai eu assez avec mes malédictions. Alors, hop, tant qu'à faire, voilà. Allez, Josie va se lever. On va utiliser le toilette. Est-ce qu'on la lave? Oui, on la lave. Et ensuite, comme ça, elle fera à manger. Enfin, elle mangera surtout parce que... Non, pas laver. On a évité l'assiettastrophe. Allez, on va prendre une petite assiette. Vous savez, ça marche avec tout, hein. Chatastrophe, assiettastrophe, stylotastrophe, microtastrophe, vidéotastrophe. Je fais des rimes. Non, mais c'est bon, je vais me coucher, j'ai compris. Bon, elle reprend son bain. Oups, je me suis fait... catastrophe. Allez petite Josie, va manger. Je me sens seul là d'un coup. Aïe, je me suis pris un truc dans la poire, une pochette cadeau. Il n'y a rien dedans. Dommage. Allez, mange Josie, il est 4h du matin. Elle a besoin de fun aussi. Hein. Par contre, la nourriture monte pas du tout. Hein. Si vous regardez bien, imaginez, vous allez mettre votre plein d'essence et au final, ça monte pas. Bon, allez, mon petit Léon. On va utiliser ça. Nous, on va aller regarder un peu de... Regardez, on va nourrir les poissons. C'est pas très important, mais voilà. On va regarder la télé. Donc, 4h47. Normalement, 4h47 jusqu'à 8h avec le transport. C'est bien 8h. Attention. 10h. C'est encore mieux. Donc, on va essayer de communiquer. Je pense que l'astuce qu'on m'avait fournie sur permis de sortir va fonctionner aussi ici. C'est-à-dire de téléphoner. Je pense qu'on va regagner plus facilement nos amis. Mais c'est ça que je déteste dans ces premiers Sims, hein. C'était vraiment cette difficulté à avoir l'amitié et la garder. En fait, il faut la monter à 100 hein, pour être tranquille. Mais même avec ça, c'est l'anarchie. Par contre, tu sais, Léon, t'es pas transparent. Oui, non, mais t'es pas transparent, quoi, le gars. Mais c'est qu'elle est... Éteindre. Et faire la sieste, vite. Le transport des longs arrive bientôt. J'ai le curseur de la souris qui vient m'embêter. Je viens de cogner dans mon micro. Bref, rien ne va plus. Alors là, l'énergie est très très faible, mais c'est pas trop grave. On va téléphoner. C'est à qui qu'on doit téléphoner? Attendez, j'ai regardé Léon, Betty, Mimi, maman. Bon, on va appeler maman. Et je crois qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'amis dedans, hein, dans ce Sims-là, en fait. Demander conseil, parler. Nous, on veut juste parler, maman.
En plus, notre transport arrive, donc voyons voir si ça a bien monté. Ça n'a pas monté beaucoup, voire pas du tout. Nous sommes dans le caca. Bah, écoutez, c'est pas trop grave, hein. On va faire avec. Hein. Mais de toute façon, oui, j'ai besoin de trois amis différents pour la. Enfin, de deux amis pour la promotion, donc ça va être chaud, chaud, chaud. Cacao. Par contre, est-ce que je viens finir? Allez, je vais venir finir. Transport de jeudi, normalement, devrait arriver en plus, donc c'est un peu con. Ah, mais attendez, je crois qu'il est même là, non? C'est pas grave. On fait jusqu'à l'obtention du point de compétence. Des abdos et des biceps d'acier, Josie bénéficie d'un point d'aptitude physique. Nice! Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste le charisme, mais je pense... Bon, tu vas aller travailler, toi. Fainéant paillasse. Allez, hop. Mais c'est ma voiture à moi. C'est à qui, ce transport? Mais c'est à Josie! Mais va travailler au lieu de faire des biceps! Mais je croyais que c'était Léon. Léon, donc, il a pas été travaillé? Vous n'avez pas été travaillé aujourd'hui. Un jour, ça va, mais si vous continuez, vous allez vous retrouver à la porte. Ok. Ah bah non, bah on va écouter le monsieur. Mais en même temps, pourquoi il a pas été travaillé, lui? Et hier, dans GameCube 2, là, c'était pareil pour Emily, elle a pas été travaillée. Truc de dingue. Je sais bien que c'est les vacances, mais bon, faut quand même bosser. Allez, petit Léon, on va le laisser se reposer un petit peu. Par contre, j'espère que la prochaine maison, dès qu'on l'atteindra, c'est-à-dire dans très très longtemps. Mais c'est pour ça, regardez, en fait, c'était le transport de Léon. Nous, on a bien une limousine à la base, hein. C'est pour ça que je comprenais pas tout. Donc, elle va venir aux toilettes. Je crois qu'on va manger avant d'aller. On va manger. On va faire un peu de créativité. Je sais pas si on aura assez d'énergie, mais bon. Au pire, elle ira dormir. Ouais, un petit peu de social, ça fait toujours plaisir. Oh non, Léon, t'as tout cassé, Léon! Bon, il va le réparer, hein. On fait des économies ici. Mais attention, tu te fais pas électrocuter, sinon c'est game over. En plus, il a les pieds dans l'eau. Ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il ne se fera pas électrocuter. Ça, c'est dégueulasse. Parce que dès qu'il y en a un qui meurt, c'est bon. Game over, direct. Ne passez pas par la case départ et ne recevez pas vos 20 000 simflouzes. Ah, il s'énerve. Il s'énerve le petit père. En plus, je crois que pour le réparer à fond, c'est. Ouais, non, mais il n'y a rien en mécanique, hein. On n'a rien. Ouais, non. Méca zéro. Énerve-toi pas comme ça, Léon. Donc, 1670 simflouzes. Le problème, c'est que je peux rien dépenser pour la simple raison qu'on a le courrier et qu'il coûte très cher. Ah, la technologie, elle nous lâche toujours au mauvais moment. Allez, Léon, tu peux le faire. Bon, on aura tout perdu. Oh, il est obligé de faire tout le tour de jeu. Franchement, il est bête, hein. Il peut aller dans son petit enclos, là, faire le tour. Bah non. Il pose ça là. Comme ça va aller plus vite. 863. Ouais, on n'y arrivera jamais, quoi, en gros. Et il est en train de péter un câble. Oh, petit mécréant, du mécréant, du mécréateur. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. On va aller
qui regarde du fun un petit peu, sa jauge d'énergie est potable. Et le fauteuil est vraiment bien, donc ça va être nickel. J'aurais voulu acheter une plus grande télé, mais elle coûte super cher. A... C'est pas comme dans les Sims 4 où elle a... la bas de gamme, elle est. Bah, vous avez des 750, je crois. Après, c'est 1000 et ça monte, ça monte. C'est vrai que ça manquait de télé à l'époque. Ouais, mais je la bonne, elle va nettoyer. Enfin, j'espère. Bah, quoi, elle arrive, je la paye, hein. Je la paye. C'est pas comme si que depuis le début du jeu, je faisais tout. Ah, et puis mon transport arrive. En fait, en gros, j'ai rien pu faire. Bon, cette fois-ci, voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix, le maître nageur, là. Ah, ça va être short. De toute façon, elle n'a pas le moral. Bon, elle va aller couler un bronze. Je pense qu'elle va le retrouver vite, le moral. Même pas. Non, c'est juste la. Si, elle l'a retrouvé, le moral, mais il est trop tard. Puisque le transport arrive. Ouais, c'est bien ça, c'est une limousine. Alors l'autre fois on est parti avec la voiture de Léon. C'est pas tip top ça. C'est pas cool. Alors Léon. Léon, Léon, Léon. Bah Léon, il va manger. Il va servir le dîner, lui. Et oui. On pourra rien faire d'autre que d'aller dormir. Parce qu'en fait, c'est un peu salaud parce que la barre, même si elle arrive en dessous du E par là. Voilà, ça part très vite vers la fin. Et ensuite, bah, il va vite être raplapla. Allez, le petit maître nageur. Il va se noyer dans son assiette, il continue. C'est ballot ça. Un maître nageur noyé dans sa propre assiette. Elle gagne quand même bien. 500 simflouzes, moi, je dis chapeau. Mais c'est pas assez. C'est pas assez si on paye un loyer aussi exorbitant. Ça va pas le faire. Du coup, ce qu'on va faire. Et je vous parle pas de couscous, on va aller prendre une douche après avoir mangé et on va s'entraîner direct et ensuite il nous faudra bah, trouver les petits amis. Voilà. On n'a pas le choix de toute façon, si on veut cette promotion, c'est ce qu'il faut faire. Mais le problème c'est que le miroir là, ça prend du temps. Mais du temps! Ah mais ça va, on avait déjà monté mi-bar. Ok. Nickel. Bah tant mieux pour nous. Parce que bon, je me dis que j'ai eu peur que si c'était à zéro, là, ça aurait pris 50 ans. Et nous, on veut pas que ça prenne 50 ans. On veut que ce soit très très rapide parce que ça fait très très longtemps qu'on squatte ici. Du coup, on n'a plus envie de squatter ici. En 21h, c'est vrai. C'est vraiment plus, hein. Je sais plus c'était à quel épisode là qu'on est arrivé. Mais dans le jeu, en fait, on quitte des objectifs pas possibles à des objectifs pas possibles, en fait. C'est toujours comme ça. Et ça fait beaucoup d'en fait en même temps. Allez, on va se lever. Allez, Josie. Josie, 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 Josie. On va aux toilettes. Allez, go, go, go. Et ensuite, tu reviens t'apprendre à t'entraîner pour parler. Et on va prendre Léon. Léon, lui, va faire la cuisine. J'ai oublié de faire servir le petit-déj. Allez, c'est parti. Oh, lui, il a la barre verte, lui. Ça, on peut pas le dire le contraire. Il a à peine déjà levé qu'il est déjà fatigué, quoi. Il a déjà perdu un millimètre. Allez, Léon. Voilà, j'ai fait un peu, mais on va la faire manger direct. Parce qu'il est déjà 5h26 du matin. Elle parle, elle est trop forte. Elle parle à travers le mur et tout, quoi. Trop badass. Voilà, on se prépare clairement pour la future promotion. Le plus dur sera les amis. Là, si je peux gagner cette promotion, ça va nous faire peut-être 2000 simflouzes, peut-être. Hein. Ouais, qui sait. Du coup, ce sera pas mal. Il est bête, lui, hein.
Il vient dans cette toilette-là, c'est occupé, bah, il y a une deuxième salle de bain qui y retourne. Regardez, il veut pas. En plus, c'était une urgence, là, encore un peu, il faisait tout par terre. En ce moment, j'ai une nouvelle malédiction dans les Sims, c'est la malédiction du popo. Les Sims ont toujours envie d'aller aux toilettes. Elle n'a pas encore continué. Hein. On dit clairement. Voilà. On vient de réussir. On va aller à la douche. Il manquera plus que les amis. En tout cas, bah, les amis, c'est ici que nous allons nous quitter pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien, sous-soul!